invitation pour venir dans une campagne de sensibilisation contre la drogue synthétique ou la drogue de synthèse. Et on présente tout à fait là, Monsieur Bourosami, c'est le représentant de l'Étier, M. Maoudi, le député directeur, M. Lama, le chairman of Newton College, c'est la personne responsable de la compagnie qui gère Collège Newton. Et là, nous sommes le maire, M. Le Maire, comme vous avez introduit, et nous avons M. Sauvin Adel, dans Atsu, c'est agent. Et nous avons aussi Mme Dolo, qui conseille. Et nous avons M. Chegaoui, nous. Avant de vous dire un petit mot sur l'école, avant de commencer, le collège Newton est fondé en 1932, le deuxième collège plus vieux, Oldest College, Second Oldest College, à l'île Maurice. Il y a un passé très éloquent. Nos élèves normalement font très bien dans toute la vie. Plusieurs finalement carrière très riche dans le corps paralytatif, dans la profession libre, légale, dans le domaine de l'éducation, dans la force policière. Nous finalement le passé, quatre lauréats. Et nous avons plusieurs bonnes élèves qui finissent classés. Et nous collège un très bon standing, nous avons à peu près 100 élèves. Nous reconnus pour le sérieux et pour la discipline qui mène à l'école. Pourquoi sa campagne de sensibilisation contre la drogue synthétique? Les raisons simples, nous peut faire face à un problème très grave, très réel dans le pays, le problème de la prolifération de la drogue synthétique qui, ne pas exagérer, mais prend qui répand très vite et qui bientôt est capable d'avoir une dimension épidémique parmi nos jeunes si nous pas arrêter vite. Et cette information qui nous vient de nous là, ce n'est pas une information qui nous fait créer, qui nous tire dans nous la tête, c'est une information qui peut remonter vers nous à travers un rapport, un témoignage des parents, des forces vives, de la société civile, de nos anciens élèves et aussi nos bons élèves présentement à l'école. C'est-à-dire que la situation est très grave et la situation peut empirer parce que ça, la drogue-là avait les beaux très facilement, relativement pas cher. Et il y a beaucoup de enfants qui, par innocence, se fait créer de beaux la drogue. On trouve plusieurs cas. Que Banzélé peut prendre la bouche à Dibois, puis Rose Bégon, le Ola, puis Roulsa, pour que c'est quelqu'un qui corde. On a Banzélé qui peut prendre poison, les rats, écrasés. C'est un CPC, pas innocent, ce PC, toute bonne combinaison pour donner un ticket pour se faire casser la tête. La conséquence de tout ça, il va créer un problème très grave. Nos bons jeunes sont très vulnérables. Sont extrêmement vulnérables. La situation est très grave et d'après moi, il arrive même une situation que nous étions la semaine d'alors. Qui fait, apparemment, il y a beaucoup de jeunes qui ont un problème de santé, un paquet peut finir leur mental, il y a même plusieurs cas de décès qui viennent arriver, mais par rapport des. De toute façon, c'est maintenant qu'elle légalise sa drogue synthétique là. Moi, personnellement, je ne suis touché par un cas, pour moi, pour faire une grande exagération de ça, un cas de un parent qui a un de ses enfants, l'âge de 6 ans, de 16 ans, en forme 4, tranquille, elle prend les soins de jour, dans les une de la case, une de la case peut vomir, manger, dormir, et là, le soir, s'en va un jour. Je ne vais pas exagérer ça, je ne vais pas parler de cette dimension très dramatique parce que c'est un
quelque chose de personnel, c'est un peine personnel. Mon témoigne ça. Et c'est ça qui m'a dit à vraiment penser qu'il nous obligeait à agir. La drogue synthétique va affecter seulement la santé des enfants. Il y a un problème social lié aussi. Il y a à part le problème qui va parents peut gagner, c'est la déstabilisation de la famille. Nous remarquons que non, beaucoup de qui vont voler arracher le chemin, qui vont voler violence, le chemin peut augmenter. Ils volent bijoux, portables, laptop peut augmenter. Et nous croyons que tout cela a une relation directe entre prolifération de la drogue et le vol qui va arriver. Et aussi, nous avons des jeunes de la mauvaise cause par expérience, de 11, 12, 13, 14 ans, je suis très vulnérable. Je suis innocent, facile, influencé. Et il y a beaucoup de jeunes à risque. Et si nous ne faisons pas attention, il y a une bonne partie de la présente génération nous gouverne. Vous connaissez, dans le secteur secondaire, nous avons à peu près 150 à 175 000 élèves. 150 à 175 000 élèves, imaginez si ça va marcher de l'amour là, resteront dans l'école, je vais essayer d'établir eux. Et une fois qu'ils ont établi les autres, il est difficile pour être les autres. Il est plus possible en PSE de rentrer qu'il les autres, qui quand ils rentrent, ils sont sortis. Et une fois qu'ils rentrent dans l'école, c'est possiblement une génération toute entière qui ne va pas être. Un problème comme ça déjà fait arriver dans un pays développé. Et nous crois là, pour nous, il est nécessaire qu'il nous fasse une action préventive qui pourra faire ça. Dans une situation grave, comme ça, nous ne pouvons pas rester. Nous avons agir. Et au collège Newton, l'administration du collège et nous avons un ancien élève qui m'appelle Van Hedboy, ils ont décidé de prendre l'initiative, organiser une campagne de sensibilisation contre la drogue et nous faire immédiatement. Et là, nous avons un grand merci à l'association de All Boys. Aux autres initiatives, aux autres organisations qui ont fini à mener. Et sans eux, support, on ne pense pas, nous pourrions si faire un événement aussi grandiose qu'il nous croit aujourd'hui. Je veux là me dire au M. Pierre Miller, me dire au M. Samuel Olen, et me dire tous nos bons camarades là, nous vous avez un grand merci et nous continuons à travailler ensemble. Nous finissons, ça fait 3 semaines après. Nous rentrons dans une campagne de sensibilisation permanente. Et nous mettons une structure qui va continuer une campagne régulièrement. Ça marche, qui nous peut organiser là, il n'y a pas une one-off activity. Nous ne pouvons pas finir là. Parce que le problème est grave. Il y a tout événement qui peut venir, qui nous a assisté, nous a pensé, nous a dit comment nous faire pour avoir des contacts. Soutenu avec ceux ou celles qui ont risqué. Nos philosophies sont représentées par le moteur qui s'appelle Liela. Et nos philosophies de plus, une philosophie qui peut baser leur prévention. Bien sûr, si les élèves rentrent dans la drogue, nous prenons des mesures pour que nous soyons une réhabilitation. Mais nous croyons plus dans la philosophie de prevention is better than cure. Nous pensons qu'il est beaucoup plus facile pour empêcher cette maladie venir, qu'il laisse maladie là venir, laisse maladie là établir et essaye de trouver une guérison pour sa maladie. Alors ça, c'est une philosophie qui exprime lui suffisamment bien par sa moitié qu'il peut trouver en derrière moi. Nous, programme de sensibilisation, axé l'eau plusieurs dimensions. Et 3 dimensions importantes, c'est la premièrement, c'est la sensibilisation des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont innocents, ils ne sont pas mauvais, ils n'ont pas besoin de culpabiliser. Ils rentrent là-dedans sans que les autres en place. Alors là, première chose qu'ils peuvent faire, c'est sensibiliser les jeunes, responsabiliser.
Et aussi, nous trouvons que les jeunes de maintenant se manquent pas d'activités de loisirs qui sont saines. Alors, à medium et long terme, ça qui nous peut essayer, nous, nous peut essayer, comment dire, générer, possiblement, nous faisons ça dans nos curriculum des écoles, générer une activité pour nous, les élèves, qui sont et qui, pour moi dire, engagent là-dedans. Et troisièmement, nous trouvons que les élèves, ça c'est là, mais vivent beaucoup en isolation. Parents viennent au travail, je me tape tout seul, exode Facebook, et pas le réseau social. Et nous, ce qui peut développer dans le pays, ce qui est déjà développé, ce qui peut renforcer, c'est ce qu'on appelle un street culture, une culture de la rue. Qui donc beaucoup de pays qui peut rentrer dans le développement, où il y a des parents, maman, papa, tous les élèves travaillent, ils ont pas la tape tout seul, ils sont isolés, ils sortent le chemin, ils ont un camarade. Et là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas arriver. Alors, notre devoir, c'est aussi faire des élèves, des jeunes, venir être conscients du choix qu'ils vont faire des jeunes camarades. Le deuxième axe, c'est sensibilisation des parents. Avec le développement économique, nous sommes dans une situation où les parents, maman, papa, ont besoin de travail. Ce n'est pas l'occasion aux enfants. Et ce qui peut manquer dans une société qui fait les enfants-là perdre ce chemin, c'est ce qu'on appelle le manque d'accompagnement des jeunes. Les jeunes peuvent être tout seuls, peuvent être avec les camarades. Nous avons une relation parents comme amis. Il faut. Nous avons ça parents à l'écoute qui disparaît à ce moment. J'ai envie qu'un parent rentre, il assiste ses enfants, il écoute, il tente ce problème, il essaie de trouver une solution. Comment ça peut arriver, nous ne pouvons pas. Mais on ne pense pas que ça peut arriver, comme on se disait il y a. Alors là, nous avons un travail pour faire au niveau des parents. Au collège, là, nous avons, depuis l'année dernière, nous avons une school of parents, école des parents. Et là, avec nous, All Boys, nous attendons qu'ils deviennent grands et ensemble, qu'ils nous alvèrent les parents dans la région de parents, dans la cité de parents, nous sait créer et nous avons un psychologue dans le même temps, nous sait faire les parents, réaliser un peu de plus le rôle qu'ils se tenant comme parents as such. Et puis l'enfant sur l'environnement, très important. Et là aussi, nous relayons beaucoup le ban. Une force vive, une force dans la région avec qui nous pouvons établir un contact pour nous capables d'adresser ce problème de la drogue sanitaire. Pour nous capables de contrecarrer, sur une démarche contre, pour nous capables contrecarrer ce fléau de la drogue synthétique, pour nous capables de réaliser nos objectifs, nos campagnes, il n'y a pas pourquoi pas résister dans l'école. Nos campagnes, bien, go beyond the school, il bien, allons de haut l'école. Nous bien, dans l'environnement, nous bien, gagne, ban parents, nous bien, gagne, toute la force vive, nous bien, gagne, la société civile, nous bien, gagne, la presse parmi nous. Nous bien, gagne, tout le monde ensemble, pour nous capables de combattre ça. Problème qui va arriver, et moi, au fil, comme manager du collège ici, qui vient en contact avec presque 1000 élèves, qui nous disaient que ça va nous aider. C'est un peu dans cette optique-là qu'il nous organise sa marche pacifique contre la drogue synthétique. Et comme des autres, histoire de one-off activity, il n'est pas nous. Première dernière activité, nous rentrons dans ce domaine-là et nous bisons plus capables et plus mal de l'aise. Et si nous faisons ça, nous pouvons faire une permission à la vie qui contient de nous. Ça veut obligatoirement nous les parler, nous bisons de l'aise. Alors, la date de la marche qui nous veut faire, c'est jeudi le 17 septembre. Nous les faire un
événement régional. Nous avons déjà fait une autorisation de la police, nous avons fait une clearance du ministère de l'Éducation qui nous fait qu'on va nous gagner. Nous avons fait une autorisation de la municipalité de Bobassin-Rosile. Et la marche pour commencer vers 10h à la place de Taxi Bobassin. Et pour marcher, nous venons la Cour Plaza Rosile. Et là, nous prenons des strates et nous pouvons permettre aux jeunes exprimer eux à travers le chant, la danse, l'âme, etc. Nous venons vite nous, nos collègues, dans la région de Bobassin, Rosile. Nous invitons tous nos parents, tous nos ONG, fausses filles, viennent marcher ensemble avec nous. Une fois qu'ils nous gagnent sa l'autorisation ministère, là, comment ils rentrer, nous pouvons faire ministère, contacter tout le monde de l'école et supporter ça, le mouvement de marche. Comme ça, dans l'école, ici, pourquoi pas, sortir eux, moins contraints, je vais sortir eux plus capables pour avoir des éléments ensemble. Et c'est un peu ça qu'il me tient à vous dire. Et nous dépendons beaucoup de nos médias, de nos MBC pour aider nous. Et là, encore une fois, nous avons envie de dire un grand merci, monsieur le maire. Un grand merci. Et moi, je suis content pour donner un record. C'est un travail formidable qu'ils ont fini d'initier. Et moi, j'espère nous continuer avec le football. Et moi, remercier la presse qui nous a venus. Et moi, remercier tous mes collègues qui permettent autant d'aider. Autant d'efforts pour faire ce mouvement de sensibilisation là, ainsi de suite. C'est un peu tout ça qui mène à vous dire. Saute, suite, Marc Toulon. Et moi, bien sûr, j'ai une question à poser. Si j'ai une question à poser, mais vous êtes très content pour commencer la question. Donc, discours, comme vous avez pu le constater, rempli d'émotion, on va le faire, supporté par le témoin. Les enseignants, c'est simplement un grand plaisir, mes amis Seminadin, la conseillère et la présidente du WFR pour la ville de Bassin-Rosile. Mais il n'y a pas tout fait aujourd'hui, ce qui est 25 ans de cela. C'est parce que j'ai proposé de vous tout poser qui est aujourd'hui. Donc c'est un grand événement pour moi aujourd'hui. En tant qu'un old boys, en tant qu'un ex-élève du Nutel. Mais aussi, le devoir être présent aujourd'hui. C'est vrai, une histoire de nostalgie, une histoire d'amour entre moi et le collège. Mais ce que le collège lui offre à moi, et moi, du camarade pour le boys, nous tout maintenant, qui nous capable pour faire pour les collèges. Le collège, franchement, c'est une université de la vie. Tout dans le collège, nous sommes avant de l'an 10. Pendant l'historiographie, en 96, c'est le premier collège pour tout gestionner. Et toujours le collège, nous sommes avant de l'an 10. Dès que nous pouvons apprendre la nouvelle, que mon ami Sominalen, Diamant, comme ça, visait un fin de l'Orgoy, organisait un Orgoy, moi aussi, toujours parti pendant des rues, nous avons joué. J'ai l'image qu'une fois par mois, trois semaines de cela, quand il y a un jeune, il a été victime, une grande sapée de la tombe de synthèse, il a commencé à nos Facebook, pour des pays des bas, loin une civière, et là, on ne l'a même pas connu qu'il n'a arrêté. Ça fait notre épée. En tant que le maire, en tant que le conseil, en tant que la mairie surtout. Ça qui j'en ai interpellé nous. Ça qui j'en ai interpellé nous, c'est que si nous ne pas faire ça, si nous ne pas mobiliser, si nous ne pas donner un message très fort à travers ma manifestation pacifique, bien sûr, à travers ma action vraiment qui nous montre, ce n'est pas ma trafic dans la route, ce n'est pas ma pyromane qui lui met ça nos enfants aux en danger. Le problème se pose dans les années 80. Le problème de l'héroïne, c'est un grand fléau. C'est toute une catégorie, c'est un âge. Aujourd'hui, la preuve de synthèse fait tous un grand portrait au sein de grande école. Le problème du plus grand qui est dans les années 80, mais si nous, en tant que l'école, en tant qu'institution, si nous ne pas mobiliser, c'est ça qu'il faut faire. Les enfants aujourd'hui, c'est comme les enfants, ça, qui tombent dans la médecine des adroits. C'est pour ça que nous, là, nous sommes devoir s'imposer dès qu'ils gagnent ça. Il s'agit pour les jeunes filles, non, c'est là. Et moi, nous sommes tout à fait, nous sommes en contact avec comment tu vas le faire, nous sommes tout à fait, nous tout à fait d'accord, nous participons pleinement dans le moyen de nos possibilités, bien sûr, mettre le service de la mairie à la disposition, et bien sûr, tant que possible, nous fassions des choses.
Et c'est vrai, comme le directeur disait, c'est pas un seul Rwandais. Hein, c'est-à-dire quand on finit ces actions-là, qui nous fait après, non, bien sûr que non. Et là, on demande tout le monde collège de la région, tout le monde pose vivre, et aussi, tout le monde qui est content de ses enfants, les parents surtout, disait, nous disons bon non, c'est un signal très fort à sa bande qui veut détruire l'humanité céleste, un message très fort, nous n'hésitons pas ça. Et moi, vous pensez, nous sommes certains, qu'on a une bonne réponse, et nous pensons que dire, toute action qui est concrète, qui vient vers la bonne marche dans notre initiative, nous portons dans le château pour Saint-Rosé du Portier Prenant. C'est mes amis journalistes, merci pour cette invitation, je viens de vous présenter. Bien sûr, si vous avez une question, nous l'avons disponible pour répondre. Voilà, vous avez une question. Oui, oui, monsieur Diadec. Merci beaucoup, je suis manager, collègue, ancien étudiant et média. J'ai envie de faire sur le terrain d'affaires bien clair. Hein. On peut faire ça comme un institut responsable qui pensait qu'il visait faire, mais ce qu'il veut faire, c'est la prévention. Et quand on peut dire, ah, quand le manager vient faire une faire sur le terrain des enfants, l'exemple qu'il vient donner, c'est pas un exemple que je leur collège ici, hein, attention, hein, ne pas poser un problème qui nous fait gagner. Mais ce que nous voulons faire, c'est nous conscientiser nos bons élèves, nous conscientiser nos bons parents. Et nous servir nos bons élèves et nos bons parents pour dire, faire la conscientisation de la nation, de, ben, les autres enfants dans la région et dans la Maurice. Et en même temps, nous voulons servir nos bons enfants. Parce que les enfants conscientisés, quand un jeune peut causer qu'un autre jeune, il y a un autre effet qui, quand un grand monde peut aller, peut presque mourir les tout. Et une façon de servir un jeune, et à travers un jeune, à pouvoir faire nous ce qu'il nous a donné, faire nous message, traverser à l'autre jeune. Parce que quand j'en ai pas sorti, c'est le camarade de l'école ici, la Rosine, pour tout ce qu'ils viennent dans sa région-là. Alors c'est ça que j'ai envie de faire comprendre que nous pouvons faire ça comme un institut responsable qui, dans la mesure de prévention, et qui nous parle les répandre. Et comment nous peut tendre, nous tendre dans les médias, et enfin dans la tendance exagérée aussi, mais seulement pour voir la situation que peut être, de même bien sûr d'exagération, c'est-à-dire de, même si on a 10% d'élèves qui ont un problème, ils trouvent beaucoup. Hein. Alors nous pouvons servir nos bons élèves, conscientiser nos bons élèves, parce que nous connaissons. Au collège Newton, moi je connais bien, il y a beaucoup de bons élèves, quand tout le temps de sortir, après qu'on trouve de nous responsabiliser comme un adulte et nous fiers. Peut-être quand je suis là, je fais appel des autres, tout ça là, mais c'est vraiment quand je suis sorti des hauts, vous trouvez tout le monde qui est vraiment responsable de la société, qui a beaucoup de place bien responsable. Même si j'ai un ex-élève collège Newton, terminé sur l'exil 74, aussi mon directeur Marie, et qu'il a beaucoup de camarades comme ça, partout. Et c'est que moi je refais de présenter qu'il y a une stratégie pour travailler avec les élèves, il y a une façon aujourd'hui pour servir les jeunes, même pour vivre une parole des jeunes. Et de le petit cas, nous pouvons faire ça, et nous pouvons continuer dans les autres activités, et que nous qui va dire, si nous voulons faire quelque chose, peut-être nous pouvons régler les autres types comme médias. Parce qu'il est bien aux gens qui nous gagnent sur les médias aussi, pour nous faire conscientiser un jeune à travers nous aussi. Merci. Chers amis, merci beaucoup, encore une fois. C'est tout de support. On vous présente très sérieux. Et sans le support, nous avons quand même un bon message et pour avoir la campagne de prévention. Je vous remercie beaucoup, personnellement. Donc, je vous remercie une petite collation. Bon, moi, on a une question. Qu'est-ce que je fais dans l'école Newton pour détecter? Est-ce que j'ai une surveillance? Je vais d'un coup, tu mets dans une voiture un peu louche-louche qui est devant l'école, grand matin, tantôt. Comment sensibilisation a pu faire? Ah oui, à l'école ici, on a un système qui nous met un petit bout de système interne, que tout le monde est concerné par ce qu'on appelle la discipline, il nous dit la discipline, et aussi à détecter un poste de problème. Et chacun est dans sa fonction et le personnel de partout, depuis ce cleaner jusqu'à ce top management, de tout concerné par ce problème. Alors nous faisons toute la journée, nous sous surveillance, protection. Et aussi, maintenant,
Bah, pas seulement à l'école, mais après il y a l'école aussi, vous consentiez pas de parents. Là, aujourd'hui, il y a 3-4 jours, on est en réunion avec pas de parents continuellement. Vous consentiez pour faire vous êtes, pour qu'ils soient capables aussi à la maison, guetter, qu'ils soient capables de détecter un anormal dans nos enfants, qu'ils donnent un signe, et comme quoi il y a un petit problème. Et aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec la police. On a guide nous, un ancien élève qui dans la force policière, de donner un conseil, de dire nous comment vous allez procéder dans cette direction. Nous avons déjà fait une solution d'affaires qui, ici, nous fait une rencontre avec les parents. Et peut-être qu'il est intéressant, vous dire, on a déjà fait un appel aux parents, forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, un peu. Nous avons presque 90-95% de parents qui viennent. Peut-être que nous attendons qu'ils ont fait pitié dans l'école, mes parents vont venir. Mais quand ils ont fait une autre classe, pitié, quand ils posent votre professeur aux enfants, font une sur parent, font deux sur parent, font quatre sur parent, nous gagnons très très high level of présence. Nous gagnons, et nous pouvons faire dans les 3 ans, nous pouvons faire pour continuer à faire des managers à l'heure. Nous avons un système que nous faisons de nos parents à fond. C'est un des. On ne connaît pas les autres écoles, mais chez nous, quand nous faisons une réunion parents. La dernière fois, là, au commencement de l'année, nous faisons une réunion parents. Dans 4 classes, pour qu'il y ait 650 parents, on est invité. Organisé d'une telle façon, qu'il y a 650 là, qu'il y a près 575 parents qui viennent l'école. Nous venons comment nous allons travailler ensemble pour. Bénéfice de l'enfant. Je veux dire qu'il y a un problème qui va nos enfants et non. Nous mettons en place un système de school guidance and counseling services. Quand nous avons un gros psychologue, le vrai psychologue qui est employé. Quand nous entraînons nos bons professeurs, qui sont nos bons élèves qui nous croient à risque, qui causent aux autres, qui nous fait vivre nos parents, qui nous vivent avec nos parents. Quand nous sentons un problème, nous avons 23 professeurs qui nous volontairement entraînés comme conseillers pédagogiques et nous avons un psychologue qui peut travailler ensemble avec eux, c'est un cas un peu sérieux, nous avons ça avec nos psychologues, ça veut dire que nous pouvons suivre de très près de nos élèves, comment nous trouvons un respect entre nous contrôlons ça à ce point, nous avons un benevolence club, again, qui est géré par un professeur qui vient à l'aide des bons enfants. Des mini qui disent pas l'article pour nous apprendre, qui disent pas nous conseils, nous n'en ça. Et à l'école, il y a une politique que nous fermons la porte, les parents ne peuvent pas rentrer à moins qu'ils ne prennent rendez-vous pour nous dans l'école, à moins qu'ils n'appellent les autres. Nous avons des enfants, une fois qu'ils rentrent l'école, ils ne sont pas sortis. Ils ont bien le droit de sortir. 3 heures, ils sont sortis. Quand ils sont sortis dans 3 heures, nous avons au délit, on déroule l'école, le PDT qui est arrivé. Heureusement, up to now, nous pas fin gagne aucun cas. Nous finissons ban suspect. Ben, nous finissons agir immédiatement et nous trouvons qu'il n'y a pas de conditions qui demandent une grande interférence. Nous restons avec lui. Et puis, nous avons l'école qui nous reconnaît à Rosil et dans notre place pour. Un système de discipline qui nous a. Ce système de discipline, nous portons une bonne au niveau comme ça. Et nous encore une année pareil. Nous avons un four masters qui est très actif, nous avons une section leaders qui est très actif et qui nous travaille de près. Moi-même, je suis anciennement directeur du MAI. Et mon domaine, c'était un domaine de l'enseignement, formation professionnelle, ben professeur. Et comme on vit là, on sait appliquer tout ça là et nous préférons pas de beaucoup de changements. Je ne peux pas dire que c'est un peu ça qui nous préfère, mais heureusement, le fait que nous connaissons une école qui a un système de discipline très sérieux, nous avons une situation que possiblement nous avons payé pour venir par ici. Ça qui est arrivé en dehors de l'école, je ne peux pas dire. Mais ça qui est arrivé dans mon école, merci mon Dieu. Everything is fine for the time. Mais comment mon manager peut dire, nous ne pas aller arrêter là. Pas demain, pas après-demain. On a la possibilité que
si nous pas apporter ben certains changements, son frère peut voir ses camarades, car il y a un camarade qui sont dans les autres écoles, il peut voir son frère un camarade des autres écoles là, il peut commencer à avoir une infection. Et c'est un peu, si nous les protégeons, nous l'école, nous les protégeons l'environnement. C'est à cause de ça que nous avons une première école qui nous forme une association de. Une formelle organisation qui nous appelle École des parents. Quand nous pouvons faire un cours le psychologique, nous avons des parents, le child rearing, nous avons des parents, l'importance quand nos enfants peuvent grandir dans un niveau différent, comment nous pouvons vivre, qui nous pouvons faire en ligne. Et nous pouvons planer pour nous avoir le temps dans la région. Nous pas tellement de parents qui nous viennent, nous n'avons pas de parents. Nous n'avons pas ça, bon, nous ne connaissons pas, mais nous, on pourrait nous poser. Mais c'est moi qui vais vous montrer pour tout. C'est un peu, mon petit man action générale là qui nous prend, c'est un peu sa expectation, sa attente de man les autres écoles qui connaissent l'école, là il y a une bonne école, c'est pas rentré. Moi, vous voyez, mon supposé c'est un peu, c'est en général, c'est une série de petites actions pour tout, qui amène une force dans l'école. Monsieur le maire. Dans là-dessus. À votre niveau, qui va mesurer là-dessus plus grand pour le contrôle ou on peut maintenant vous lancer à l'île, parce qu'on a cependant 8 ans. Et nous, il y a même une coordination avec le discipline, M. Gourdieu. La police peut prendre ça au sérieux, bien au sérieux, parce qu'il y a une labor qui se trouvait les shifter de jour en jour, parce qu'ils ont vraiment un travail légalement. Alors, ils ont dit qu'il y avait une proposition qu'il a. Laboratoire, la police, l'icône d'hôtel Labro. Demain, je n'ai une proposition, les organisations du monde, il n'est plus à Labro. Il n'est pas listé. Alors, nous travaillons vite là, pour qu'il soit capable de sensibiliser le maximum du monde pour comprendre que ça Labro, il est plus une catégorie du monde. La ligne commence à changer. La ligne commence à changer parce que si nous devions bien, on travaille dans le de camp de Dieu, mais nous avons des enfants de 11 ans. Qui fait tous ça la robe. La police fait travailler de sensibilisation, beaucoup de sensibilisation à travers l'école, puisque même depuis une semaine, là, nous avons des ressources personnes partout. Nous sommes obligés de travailler avec une association, une ONG, parce que si la police nous pas capable de façon dire, parce que nous travaillons beaucoup de témoignages. Moi, je me proposais, et M. Len, pour nous donner un nouveau modèle là, travailler beaucoup de témoignages, d'anciens toxicomanes. On avait volonté de mobiliser. C'est ce qui nous fait dans l'école aussi. Ce qui nous fait, nous devons faire mes enfants comprendre. Comprendre, mais connaître la drogue là, qui sont mes faits dans l'école. Il paraît que nous ne pouvons pas connaître le cancer, nous devons dire des histoires cancer. Nous ne pouvons pas connaître des dégâts cancer. C'est quand nous trouvons un PC, nous trouvons les autres médias et faire campagne le cancer, là, nous devons sensibiliser le monde et dire, hé, légumes, telles affaires. Mais pareil, la drogue synthétique aussi. Et la dimension scalée, pourquoi tout la drogue synthétique? Pourquoi la majorité du monde ici n'a pas trouvé la drogue synthétique? Je peux t'en la drogue synthétique, peut-être un Dracmamba, Sarvia, Strawberry, peut-être tout la même. Et la police même, pourquoi pas connu qui était la drogue synthétique? Moi, c'est franc, on dirait correct, là, pourquoi beaucoup de monde n'a pas connu la drogue synthétique? Alors, moi, je peux dire qu'il nous faut sensibiliser tous les enfants à l'école là-bas. C'est ce que la police peut faire. Le commissaire de police. Les enfants qui fabriquent ça, eux-mêmes, ou ça c'est un manchant carrément des grands. Moi, je veux dire, manchant carrément, c'est moi et mes enfants qui pétaient sa nature. Ils pétaient du monde, pétaient pas tel spray, ajoutent telle composition chimique, c'est pas les rats, l'inévitable. Mais moi, je connais qui c'est un trafiquant. Et un trafiquant de toi, on a un travail là. Et je te connais, il n'est pas facile pour un trafiquant. Il demande beaucoup de temps, beaucoup. Intelligence, travail, surveillance. Parce que Dimoun, nous payons 948 qui peut inciter Dimoun pour venir donner une information. Et aussi, je veux dire que moi, personnellement, je travaille beaucoup avec mes camarades de la presse. Beaucoup de Dimoun de la presse de mon renseignement. Surtout dans la région où je travaille pour le vieux. C'est beaucoup de mes camarades de la presse qui de mon renseignement et nous faisons un gros travail. La police est un gros travail, un gros point à jouer. C'est pour ça que dans ce moment, ce que nous faisons là, nous avons fait cause avec le commissaire de police. Et que M. Ramsaran est toujours le commandant, la police peut participer dans l'événement. La police n'est pas là pour donner sécurité à cet événement-là, mais la police pour participer dans l'événement avec mon rôle, avec tout ce logistique, pour faire ça l'événement-là un succès.
Et nous, ce qui nous permet, c'est nous mettre tous la maximum du monde. Ce n'est pas nous, nous avons fait à cause de vitesse, à cause de l'école, de l'examen. Nous avons fait le résultat, pour passer à Rosine, et ensuite le maire veut nous ce support. Mais nous, le message, c'est qu'à travers eux, nous pouvons importer ça d'autres régions. Il y a une région spécifique, c'est pas Rosine, c'est pas. Mais on va dire que la personne discute même dans Flac, il porte tout. On ne peut pas dire qu'il et là, nous-mêmes, nous avons encore un peu tout ce qui nous va pas connaître. Bon, du coup, quand il y a un combat à la tête, la tête nous envoie un film synthétique. Mais non, mais ils ont manqué en diable. Bon, tout. Ils ont éloigné. Éloigné, oui. Éloigné. Et oui. Elle a fait mon cas de ce. Moi, dans mon réunion, je dis, oh, il faut, je dis bien. Bande trafiquant, pétorguette, bande enfants. Ça, c'est bien, bien, faire bien attention. Surtout, bande du monde qui est un peu aisé. Alors, je suis touché parce que marché, pourquoi le rôle des enfants dans la cité qui fait la casse, il y a le rôle. Quand il met dans. Dans craving, dans yen, pour nous dire, là, ça fera pas le casse pour la cité. Mais tandis qu'un target facile, c'est pour un collège, un du monde, bien, un hôtel, c'est un autre, ça. Ça va nous avoir là, je me disais, mais il est collé gros, pocket money. Vous êtes victime. C'est ça qui me fait, comme dans mon campagne, on peut dire, parfois, on peut travailler en recherche, on peut travailler devant un grand rôle, nos enfants, pas victimes, nos enfants plus victimes, quand on est à la raison, nous avons plus victimes. Alors, nous pensons, il y a un combat tout le monde. Hein. Nous tout amener la police, porte prenant dedans. Et mon cas encore une petite parole, c'est qu'il nous peut contacter les politiciens aussi. Ils ont tout dit, le besoin pour aider, pour qu'ils agissent, pas les détruire. Merci. Merci beaucoup. Et tu maintenant au football. Vous pouvez nous faire un peu de ce à Abinadine, c'est très beau.